C'est le même que moi, je suis morte. Ah, tu es comme maman, tu adores le Starbucks, toi. Hein? Il a le nez qui coule un petit peu. J'espère qu'il n'est pas en train de couver quelque chose. Parce que bon, ici, avec la chaleur et la clim, c'est, il est trempé. Après, il fait froid. Après, il est trempé. Après, il fait froid. Tu me donnes? Tu donnes à maman? Maman, elle adore le Starbucks. Non, pas ta main. Je veux la petite boisson du Starbucks. J'ai commandé un petit cake trop mignon. Vraiment, à la dernière minute, pour le coup. C'est pour le shooting. Il est trop joli. Oh non. On a terminé le shooting d'Andrea. Franchement, je pense que les photos vont être trop belles. Il s'est englouti le cake. Je vous explique même pas, c'était trop drôle. Vraiment trop drôle. J'ai pris quelques vidéos et tout, mais c'est vrai que j'attends de recevoir les photos du shooting pour vous les partager. Mais c'était trop mignon. Après, bon, on a écouté un peu parce que ça a pris du retard. Du coup, il commence à être fatigué. En plus, il commence à être enrhumé. J'ai l'impression qu'il a le nez qui est pris. Donc, avec le climat ici, c'est vrai que. J'espère qu'il va pas être trop malade. Donc là, on va rentrer, il va se coucher. Et dès que je reçois les photos, je vous les partagerai. Mais je pense que ça va être trop canon. Il était trop mignon avec son petit cake, sa petite salopette et tout. Oh, c'était trop beau. Voilà, donc trop hâte de recevoir ça et de vous montrer. Pour vous donner un aperçu, je pense qu'il s'est régalé. Il y a été avec la tête et tout. Hein. Ah, vraiment, les vidéos, elles sont rigolotes. Il est trop chou. Bon, et avis aux mamans ou futures mamans qui vont avoir des nouveau-nés, ce type de baignoire, c'est celle qu'on a utilisée pour Andrea. Donc maintenant, il est grand. Hop, vous voyez, c'est des baignoires portables. Et ça, c'est trop pratique pour faire le bain à bébé. Que vous mettez sur une table, que vous mettez au-dessus de l'évier, au-dessus d'une baignoire classique. Parce que vous avez ici le petit trou pour évacuer l'eau. Et franchement, c'est trop pratique. Donc nous, on avait pris le réducteur également avec. Qu'il puisse être posé dedans, qu'on puisse bien le savonner, etc. Ensuite, vous pouvez le retirer également. Et on avait aussi le petit doseur ici qu'on utilise toujours. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est bien utilisé parce qu'on adore à chaque fois mouiller un peu Andrea avec. Ça tombe comme de la pluie, il aime bien jouer avec. Mais franchement, elle est hyper pratique. Genre, vous la pliez, vous la rangez dans un placard. C'est juste la base. Donc voilà, ça c'est un des produits Twist Check vraiment qu'on a vraiment adoré. Et bien entendu, on utilise aussi tout ce qui est les couverts, les assiettes, les click and mat. Enfin, ça c'est vraiment la base. Bon, du coup, pour l'instant, il s'est réveillé deux fois en une heure. Donc j'espère que là, il a l'air d'être bien parti. J'espère, avec le nez bouché, c'est un peu compliqué. On va pouvoir se mettre notre petite série. Donc là, on est sur Who is Erin Carter. Je vous cache pas que cet été, on n'a absolument pas regardé de série. Alors que d'habitude, on fait que ça, mais on était KO. On était tout le temps à droite à gauche. Là, on va enfin pouvoir se poser et reprendre des séries. Donc là, on est à l'épisode 2. Et franchement, pour l'instant, c'est plutôt cool. Maya. Regardez-les, ces deux-là. Mais sa petite tête de malade. Bon, ça va un peu mieux. Il n'y a plus de fièvre déjà aujourd'hui. C'est toujours ça. Il est KO quand même. Regardez ses petits yeux. Qu'est-ce qu'il a fait, Maya? On va promener? Tu viens? Il est sonné.